incohérence, je dirais, bon, ces pieds d'arbres qui sont des vestiges des années antérieures. La datation radiocarbone a permis de démontrer que le Couëron est vieux d'au moins 6300 ans et que donc il daterait du 5e millénaire avant notre ère. La néolithique, c'est la période où on identifie le développement de l'agriculture et l'élevage. C'est le moment où l'homme, l'être humain, passe d'une économie de prédation à une économie de production. Autrement dit, les stratégies d'acquisition alimentaire changent. On a un vestige qui n'est pas archéologique, mais qui est patrimonial, au sens où on lui redonne vie, bien sûr. Enfin, on va essayer de poursuivre sa vie après la mort. Grosso modo, on le ressuscite par nos techniques modernes. Et je pense que nous faisons une œuvre utile, là, de conserver cet élément du patrimoine. Le Couëron, c'est ça. C'est de le sortir pour donner à mes enfants, à mes petits-enfants, une histoire. Une histoire des générations qui ont vécu avant eux sur ces terrains-là, de façon qu'on ne l'enterre pas à tout jamais et qu'ils ressortent vraiment.